Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer les verbes être, avoir, aller et faire au futur simple. Alors, on va commencer par un petit rappel de la leçon précédente, le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, nous avons vu que le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera dans l'avenir, d'accord ? Bien plus tard. Et on a dit pour former le futur des verbes du premier et du deuxième groupe, il suffit de prendre le verbe à l'infinitif et d'ajouter la terminaison du futur. A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Comme le verbe s'installer au futur, je m'installerai, tu t'installeras, il, elle s'installera, nous nous installerons, vous vous installerez, ils, elles s'installeront. Pour le verbe aider, j'aiderai, tu aideras, elle, elle aidera, nous nous aiderons, vous vous aiderez, ils, elles aideront. Pour les verbes du deuxième groupe, pour le verbe finir, je finirai, tu finiras, il, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils, elles finiront. Pour le verbe choisir, je choisirai, tu choisiras, il, elle choisira, nous choisirons, vous choisirez, elles choisiront. Voyons maintenant les verbes être, aller, être, avoir, aller et faire. Alors, pour commencer, transformez ce petit texte en commençant par la semaine prochaine. Allez-y. Je lis d'abord le petit texte. Mon frère et moi préparons notre voyage au sud du Maroc. Il achète une carte à la région qui lui fournit des renseignements sur les routes à prendre. Moi, je range les valises dans le coffre de la voiture. Donc, comme vous voyez bien, ce petit texte, il est au présent de l'indicatif. Pourquoi ? Parce que tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Les verbes, ce sont « préparons »,« nous préparons », »,« il achète », lui fournit et le verbe je range les valises. Ils sont au présent de l'indicatif. Si le texte commencera par la semaine prochaine, donc tous les verbes ils seront conjugués au futur simple. Allez-y. Mon frère et moi, c'est-à-dire nous, préparerons. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a mis le verbe à l'infinitif, le verbe préparer et on l'a conjugué au futur simple. Donc, nous préparerons notre voyage au sud du Maroc. Alors, le verbe acheter, il achètera une carte de la région qui lui, le verbe fournir, qui lui fournira des renseignements sur la route à prendre. Moi, je, le verbe ranger, je rangerai les valises dans le coffre de la voiture. Donc, voilà. Donc, le verbe « nous préparerons », « lui fournira », « achètera » et « je rangerai ». Donc, comme vous voyez bien, les verbes, ils sont conjugués au futur simple. Vous avez le verbe « fournir », c'est le verbe du troisième groupe. Donc, vous voyez, il garde la même terminaison au futur. D'accord ? Préparer le premier groupe, ranger le premier groupe, acheter le premier groupe. Donc, on a vu pour les verbes du premier groupe, la terminaison c'est A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Pour les verbes du troisième groupe, comme fournir, vous voyez, donc à la troisième personne du singulier, il garde la même terminaison. Maintenant, voyons ce petit texte. Demain matin, nous irons ensemble au musée. Il sera ouvert à partir de 10 heures. Nous aurons le temps d'acheter nos billets de retour à la maison. Chacun fera une petite sieste pour se reposer avant de se préparer pour la fête qui aura lieu le soir. Alors, comme vous voyez bien, le texte il est au futur. Parce qu'il commence par « demain matin ». D'accord ? Ce sont les expressions de futur. « Demain matin, nous irons, à votre avis ».
le verbe iront, auront, sera, fera, aura. Ils sont conjugués au futur simple. Donc, quel est l'infinitif de ces verbes? Iront, c'est le verbe aller, très bien. Auront, c'est le verbe avoir. Sera, c'est le verbe être. Fera, c'est le verbe faire. Et voici la réponse. Donc, les infinitifs sont être, avoir et faire. Alors, quand ces actions vont-elles se passer? On a dit c'est au futur. Donc, ils sont tous conjugués au futur simple. Alors, maintenant, conjuguer les verbes être, avoir et aller et faire au futur simple. Donc, conclusion, avant de conjuguer ces verbes. Conclusion. On voit bien que le verbe être aller au futur simple, il garde les mêmes terminaisons. Faire et aller, il garde les mêmes terminaisons, mais le radical change. D'accord? Il ne garde pas le même radical. Regardez, au futur simple, les verbes du troisième groupe prennent les mêmes terminaisons que tous les autres verbes. C'est-à-dire A-I, A-S, A-O-N, S, E-Z, O-N, T. Mais il y a de nombreux verbes qui ont le radical qui change. Voilà, donc, ce n'est pas comme les verbes du premier et du deuxième groupe qui gardent leur radical plus l'infinitif. On ajoute la terminaison. Les verbes du troisième groupe, certains verbes changent leur radical, d'accord? Alors, voyons ici la conjugaison des verbes être, aller, être, avoir, aller et faire. Allez-y, arrêtez la vidéo et aidez-vous de ce tableau pour conjuguer oralement les verbes être, avoir, aller, faire dans ces phrases. Allez-y. Être en avance. Je serai en avance. Tu seras en avance. Il, elle sera en avance. Nous serons en avance. Vous serez en avance. Ils, elles seront en avance. Maintenant, le verbe avoir du temps. J'aurai du temps, tu auras du temps, il, elle aura du temps, nous aurons du temps, vous aurez du temps, ils, elles auront du temps. Allez à la montagne. J'irai à la montagne, tu iras à la montagne, il, elle ira à la montagne, nous irons à la montagne, vous irez à la montagne, ils, elles iront à la montagne. Le verbe faire les valises. Je ferai les valises, tu feras les valises, elle fera les valises, nous ferons les valises, vous ferez les valises, ils, elles feront les valises. Très bien, n'hésitez pas de recommencer deux ou trois fois pour bien apprendre ces verbes au futur simple. Maintenant, on va passer à un exercice d'entraînement. Prenez votre manuel page 135 et faites l'exercice numéro 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous en vacances, le verbe aller. Vous allez en vacances dès le début du mois de juillet. Donc, c'est le futur simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour aller? Allez-y, répondez sur votre manuel en utilisant un crayon à papier. Nadia, le verbe être. Le verbe faire, pardon. Nadia, faire un tour en bicyclette. Au futur simple, qu'est-ce qu'on dit? Nadia, voilà, à la troisième personne du singulier. Allez-y. La phrase c'est: en juin, nos voisins, le verbe être, en plein déménagement. En juin, nos voisins, c'est-à-dire, c'est la troisième personne du pluriel. Très bien. Être en plein déménagement. C'est-à-dire, ils vont déménager. Ils déménageront. D'accord? La phrase D, le verbe être, vous prêt dans une heure? Alors, pourquoi on a inversé le sujet avec le verbe? Parce que c'est une question. D'accord? C'est une phrase interrogative. Donc, être vous prêt dans une heure au futur simple? À la deuxième personne du pluriel. Allez-y. Je, le verbe avoir, mon passeport demain. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le verbe avoir à la première personne du singulier, mon passeport demain. Et voici la correction.
Vous irez en vacances dès le début du mois de juillet. Donc, irez, c'est le verbe aller au futur simple à la deuxième personne du pluriel. Nadia fera un tour en bicyclette. Donc, elle fera un tour en bicyclette, c'est le futur du verbe faire à la troisième personne du singulier. En juin, nos voisins seront en plein déménagement. Donc, nos voisins, c'est la troisième personne. Ils seront, c'est le verbe être au futur simple, à la troisième personne du pluriel. Serez-vous prêt dans une heure? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous, c'est la deuxième personne du pluriel, et le verbe être au futur simple, vous serez. Donc, quand on pose une question, on inverse le sujet avec le verbe et on dit serez-vous prêt dans une heure? Très bien, donc j'aurai un nouveau passeport l'an prochain. Donc, l'an prochain, c'est le futur simple. Et le verbe avoir à la première personne du singulier. J'aurai un nouveau passeport l'an prochain. Très bien, faites l'exercice numéro 3. Recopie cette lettre en mettant les verbes entre parenthèses au futur simple. Donc, cette lettre, elle est destinée à Adriane. Elle est expédiée par sa tante. Qu'est-ce qu'on a dit? En haut. Ici, c'est une forme d'interpellation. On a déjà vu ça. Et ici, vous avez la signature. Donc, ici, c'est l'expéditeur. Ici, c'est le destinataire. C'est bon? J'ai appris que tu viendras. Alors, viendra, c'est le verbe venir au futur simple. Tu viendras. Regardez AS. Passer les vacances chez nous. Donc, on a dit venir. Il a changé son radical. Venir, il devient viendra. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Sarah et moi. Alors, c'est quel pronom personnel ici? C'est nous. Sarah et moi, c'est nous. C'est la deuxième personne du pluriel. Être, le verbe être au futur simple. Nous, ravis de te recevoir. Donc, au futur, nous, qu'est-ce qu'on dit? Le verbe être au futur simple. À la deuxième personne du pluriel. Ravis de te recevoir. Toutes les deux. Vous. Alors, le verbe « aller » au futur simple, à la deuxième personne du pluriel, « vous allez vous promener ». « Vous faire du surf », le verbe « faire » au futur simple, c'est facile. « Quand il », le verbe « avoir » à la troisième personne du singulier, « quand il » de grosse, le verbe « avoir » de grosses vagues. « L'après-midi » en, alors « en » c'est la troisième personne du singulier. Le verbe aller au futur, à la troisième personne du singulier, on allait faire les magasins au goûter, je vous. Alors, le verbe faire, il sera conjugué au futur simple à la première personne du singulier. Pourquoi? Parce que je fais des crêpes pour vous. Je vous, au futur simple, faire des crêpes. Allez-y, faites l'exercice sur votre cahier de maison. Et voici les réponses, vous les regarderez après et vous faites une autocorrection, d'accord? Maintenant, prenez votre livret d'activité, page 105, et faites les exercices 1 et 2. Les corrections seront pour vendredi. Les exercices 3 et 4 sont facultatifs, d'accord? Je vous souhaite très bonne journée, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine leçon.